il m'a pardonné, il m'a délivré, il m'a purifié, il m'a guéri, il m'a racheté, il m'a justifié, il m'a envoyé. Dans le nom de Jésus, bienvenue dans le Victory Channel. Pourquoi nous passons un très beau moment dans la présence de Dieu. Tous ceux qui pour la première fois une journée, une bienvenue spéciale à eux, que le Seigneur bénisse eux. Laissez-nous rendre grâce à Dieu pour la parole qui nous pour guetter ensemble cet après-midi. Papa, dans le nom de Jésus, moi je te remercie pour ta parole qui est encouragée, tu donnes une parole pour fortifier nous. Moi je loue toi, Seigneur. Bon, comment nous penser, nous lesquels nous l'attitude d'un captif à l'obéissance de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Pasteur, j'avais que de m'envergner. Parce que nous faisons l'artisan pour moi, et nous faisons l'artisan en même temps. Gloire à Dieu. Dans ma semaine qui est écoulée, dans lundi, nous peut regarder un peu. Nous faisons une étude à partir de lettres que Paul t'a envoyé à l'église de Thessaloniciens. Alors, nous commençons par le premier Thessaloniciens. Nous pouvons regarder, nous pouvons verser par verser, nous pouvons regarder de tout sur l'angle, nous pouvons regarder de tout sur l'aspect. Et je veux juste rappeler deux trois aspects qui sont intéressants en tant que leadership de Paul. Paul tient une façon exemplaire, la façon qu'il est lui-même façonné par le Seigneur et ce leadership extraordinaire, leadership management skills. Et moi, prier qu'il nous tout nous capable aspirer nous de sa ben, bon caractère, ben, bonne façon de faire qu'il peut tenir. Par exemple, quand Paul écrit sa lettre là à Thessaloniciens, il écrit à Paul, moi je dis un Thessalonicien, un Éphésien, il dit Paul Sylvain Timothée. Paul Sylvain Timothée nous peut écrire à l'église qui trouve à Thessaloniciens. Ne pas trop Paul prend tout la gloire pour lui-même, ne pas trop Paul accapare tout pour lui-même, il fait comment dire, lui-même il écrit tout, lui-même il fait tout. Non. Et ça, c'est extraordinaire. Paul donne valeur, valorise celui ou celle qui peut aider dans le ministère. Demain aussi, vous venez pasteur, demain aussi, vous venez un leader, pour le management de la cellule, pour le management de l'école des enfants. Il est important de valoriser les uns les autres ce travail. Ne pas faire tout le travail pour nous-mêmes. Un seul David, tu es capable de venir les rois, mais tu besoin tout un l'armée, tu besoin le prophète Nathan, le prophète Samuel, chef de l'armée, tu besoin tout le monde dans l'armée là pour faire ce qu'il besoin faire. Jésus-Christ est venu en tant que fils de Dieu, il a besoin de l'équipe et d'une valeur à tout le monde qui a besoin. Je trouve une des quelque chose qui me manquait dans le roi Saül sur la vie. Est-ce que tu connais le roi Saül quand tu peux avoir David pour la guerre avec Goliath? Le roi Saül, tu remets ce banzor, ce jacket, et tu remets ça dans David, sur David, pour que David ait la guerre. Est-ce que ça veut dire que pour gagner une victoire, tout le monde peut reconnaître que c'est le roi là-même qui est allé? Il n'a pas fait ça une seule fois. À deux reprises, je trouve Saül et sa qualité et mentalité là. Une fois, ce propre garçon allait pour la guerre, pour gagner une victoire à l'ennemi. Ce propre garçon, hein, Jonathan, allait pour la guerre, pour gagner une victoire à l'ennemi. Et je connais qui Saül dit, le roi Saül. Le roi Saül dit, allez, allez partout. Allez dire, Saül qui gagne, il fait la guerre victoire. Allez dire, surtout, c'est Saül. Attends, on peut redire là. Hein. Voilà. Je me demande juste si quelqu'un qui a mis ça de commenter. 1 Samuel 13, verset 3. Jonathan bâtit la garnison.
Jonathan garnison. Jonathan qui battre l'ennemi. Jonathan qui battre l'ennemi, ben Philistin. D'accord là, c'est Jonathan qui gagne la victoire. C'est ce garçon même qui vainque l'ennemi. Mais qui est de verset 4 toujours verset 3. Saül fit sonner trompette. Saül fit sonner trompette partout dans Israël. Et qui va en Israël pour t'enlever? Le verset 4. Tout Israël entendait qui nous peut dire Saül qui bat garnison de Philistin. 1 Samuel 13, le verset 3 et 4. On a plusieurs exemples comme ça dans la Bible. Moi, pas trouve Paul et la même maladie de nom. Moi, on appelle ça maladie de nom. Je connais la Bible. Il n'y a pas dans la Bible pour dire qu'il n'y a pas besoin de maladie de nom. Je n'ai pas besoin de mentionner partout. Je n'ai pas besoin de là-haut, premier, dans la lecture du monde. Frère et soeur, un seul nom dans la lecture du monde. Le nom de Jésus-Christ. Peu importe qui grand pasteur, peu importe qui grand homme de Dieu, nous capable de venir nous, peu importe qui grand maître, pasteur, évangéliste, mentor, apôtre, peu importe qui nous capable de venir. Moi, je pense, il est dangereux quand nous nom commence à citer plus que le nom de Jésus-Christ. Fait que moi, je suis un pasteur, je suis un homme de l'église, si je suis un homme de plus ou moins mon nom que le nom de Jésus, là, il n'est pas correct. Amen. Nous êtes vigilants là-dedans. Peut-être un avertissement pour quelques-uns. Prends-le comme un avertissement. Là, je trouve Paul, il passe dans sa maladie. Là, Paul, je trouve plusieurs qui peuvent aider dans le ministère. D'ailleurs, quand il peut écrire le livre de Colossiens. Est-ce qu'il connaît Colossiens? Le livre de Colossiens, il y a beaucoup de scholars. Scholars veut dire des gens qui étudient la Bible, des gens qui font des recherches. Paul amène nécessairement le livre physiquement à Colosse. Surtout ça dans Colossiens. Au fait, c'est un autre qui est Ephrapas, si mon papa fait rire, qui nous lit coup de main pour démarrer ce travail là-bas. Bon, je peux étudier, je peux trouver. Mais anyway, nous devons prendre une valeur avant des gens qui payent nous. Nous devons prendre une valeur, nous devons être reconnaissants avant des gens qui payent nous dans toute l'armée de Dieu, dans toute l'Église. Nous devons être reconnaissants. Bon, nous t'y causons là, nous pas pour y causons là. Aujourd'hui, le topic, c'est nous devons persévérer même dans persécution. Persécution dans différentes formes. L'église de Thessaloniciens, c'est une église qui ne passe pas beaucoup de persécution. Beaucoup, beaucoup de persécution. Je vous trouve, nous arrivons à 1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 6. Nous arrivons là. 1 Thessaloniciens chapitre 1 et le verset 6. Vous êtes devenus les imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de vous avec beaucoup de tribulations et aussi avec la joie de l'Esprit Saint. Tribulation. L'église des Thessaloniciens ne passe pas beaucoup de tribulations. Je vous trouve dans chapitre 2, le verset 14. Vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes. On a pu souffrir encore. Je vous trouve chapitre 3, verset 2. Tellement l'église a pu souffrir, Paul vous trouve bon par votre Timothée pour encourager maintenant. Chapitre 3, verset 3. Pour que personne ne soit ébranlé, découragé dans ma tribulation, que je peux faire face. Révélation. Verset 7. Chapitre 3, verset 7. Ainsi, au milieu de toutes nos calamités, de toutes nos tribulations, frères, Paul pourrait cause tribulation, persécution. Nous êtes de mes fermes. Chapitre 4, le verset 13, 14. N'a pas besoin d'être attristé, n'a pas besoin de s'agréer si quelques-uns pour mesurer les mêmes mots quand on passe par une circonstance, par une persécution. Et pas cette première lettre que Paul envoie à l'église Thessaloniciens qui lui cause persécution. Quand je vous lis chapitre 2 Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 4, nous retrouvons encore « Ainsi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi dans toutes vos persécutions et les afflictions. » Après, il continue, je vais souffrir ainsi dessus. Frères et sœurs, arrivé à un moment donné, quand nous chrétiens, quand on est chrétien, pour arriver à un moment donné, nous ne pouvons pas se prendre persécution. Persécution a différents degrés. Il y a différents niveaux de persécution. Et à tout l'âge, un démon capable de passer par une persécution. Dans les mots, je vous donne un exemple de mon propre avis. Laissez-nous donner un exemple dans la Bible avant. Avant que nous continuions de l'avant, les bons mots de Jésus dans les affaires. Et d'ailleurs, peut-être, je pourrais hiter à le safi là. Est-ce que je connais, c'est pas Dieu qui envoie une persécution? Persécution, c'est que papa comprend que ça, c'est persécution. Persécution veut dire, là, bouffonne-toi à cause de quoi de Jésus. Là, moque-toi à cause du corps de Jésus. Là, crasse-toi, mets-toi des hauts dans la case. Batte-toi à cause du corps de Jésus. Mets-toi des hauts de travail. Prends ma décision. Dis-toi à cause du corps de Jésus. Si tu mets des minésibes, là, tu peux dire non. Si tu listes là-bas, tu tires là-bas, là, tu peux dire non. Si tu crois dans une équipe de football, là, tu peux dire non.
Si tu t'y crois dans un parti politique, mais un parti pour dire non, mais si ça cause de croire de Jésus, c'est un problème. Pour ben du monde de la case, de ton village, à côté de toi. Là, ben on dit toujours quelque chose, pas besoin. Persécution pour blesser-toi émotionnellement, persécution pour blesser-toi physiquement, émotionnellement et physiquement aussi. Et je connais mon budget, allez là. Persécution, c'est pas bon Dieu qui a envoyé. Non. C'est pas bon Dieu qui a envoyé la persécution. Il y a pourtant nous comprenons bien. Moi, je passe pas beaucoup de persécution aussi, mais en même temps, il y a des gens comment dire, qui me persécutent. Moi, j'apprends dans l'église, tout le temps. Moi, j'apprends, c'est le diable qui peut déguer ce bandit monde-là, qui peut servir ce bandit monde-là. J'ai de la main pour persécuter moi, j'ai de la langue toujours moi, pour faire bonne circonstance. Bon, écoute ça, c'est une affaire. Nous ne passons pas beaucoup de persécution, moi et ma famille. Mais j'ai même un monde qui explique moi comment moi, je peux expliquer j'ai de là, il y a temps. J'ai même quelqu'un qui n'a pas moi, qui explique moi, il y a temps. Qui savait dire persécution et comment nous devons résister à persécution. Depuis petit, mon papa qui part en cours contre Jésus, il persécute nous d'une certaine façon. Mais il y a même des gens qui ont un message pour expliquer nous c'est quoi persécution. Mais comprenez les affaires. Même si nous avons un message, bout pour bout, explique nous persécution pour nous prendre courage, mais c'est moi de persévérer. Nous partageons beaucoup de messages persévérés dans la persécution, mais nous persévérer. Ça me sent ça, quand il y a des temps, il n'y a pas une série, il n'y a pas une seule message qui vous peut attendre. Il y a une décision qui vous prend dans le cœur, moi, pour persévérer, moi. Ne pas vous dire, ah, nous écoutons un seul message 30 minutes, ne pas chasser, ne pas assez connaître. Mais si vous ne connaissez pas, vous ne connaissez beaucoup. Mais tu as coaché petit, 6e, forme 1, forme 2, forme 3, ne pas être persécuté à la maison. Alors, c'est une décision qui nous prend. Amen. Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 2, le verset 10. Je vous demande quelqu'un qui est capable de mettre sa commentaire là. Capable de mettre sa verset là, le commentaire sur Facebook, s'il vous plaît. Apocalypse 2, le verset 10. Ce qui nous fait tourner, nous disons dans l'après-midi, dans le nom de Jésus, nous pouvons passer un moment, nous pouvons étudier le livre des Thessaloniciens et nous prenons aujourd'hui un topic qui appelle persécution. Ça, les gens ne passent pas beaucoup persécution et Paul peut donner l'exemple de quelque chose qui est bien fait, hein, qui ne passe pas persécution. Alors, nous avons Apocalypse chapitre 2, verset 10. Qu'est la Bible qui dit à nous. Ne crains pas de ce que vous allez souffrir. Pas besoin de peur si tu n'as pas souffert. Pas besoin de peur si tu n'as pas souffert. Voici le diable va jeter quelques-uns d'entre vous dans prison. Le diable a l'oreille de ça. Le diable pour vous éprouver. Vous aurez une tribulation, persécution. On a les causes 10 jours, ainsi de suite. Mais à l'arrière, c'est le diable qui envoie la persécution. Dis-moi, il est persécuté depuis le commencement à la Bible. Et ça ne veut pas être persécuté. Bon, laisse-moi dire comme ça. Dis-moi, il est persécuté au départ de la Bible. Quand Caïn tue Abel, c'est un fond persécution qui Abel a gagné. Malheureusement pour lui, sur la vie, n'allait de sa persécution-là. Je vous trouve ça dans Genèse, le chapitre. Genèse chapitre 4, le verset 8. Genèse chapitre 4, verset 8. Quand on trouve la façon qui Abel est persécuté, persécuté à mort, il prend une rose, il prend une livre contre souffrance, tout souffrant. Hein. Mais il n'est pas étonnant dans le Nouveau Testament. Si nous trouvons un démon, une mort avec rose, une mort lapidée, une mort persécutée à cause d'une bonne cause. Bon, écoute-moi bien. Si comment dire, ou faire comment dire, moi, il y a une persécution, on a tiré. Ça, c'est du bon mot dire. Il y a une persécution, nous l'avons tiré. Par exemple, une persécution qui parle, le diable qui l'a envoyé. Toi, pour ton immaturité, toi, pour ton manque de sagesse, excès de zèle, toi, tu as une persécution. Je vais donner un exemple. Mon pasteur Romy, mon frère, tu fais que sauter en Inde, tu viens parce qu'on j'ai Maurice, il amène Parfoul, il amène Equalizer, il amène Woofer, il amène Subwoofer, il met ça dans la salle. Il peut connecter, il met ce Walkman là-dedans, il met la tresse, et puis il y a un cantique faux. On est éveillé par ça, moi petit, on est éveillé par ça. Ça fait vraiment une tresse, exaltons le Dieu de la terre. Permettez-moi de vous rappeler le rallye de jeunes, année 2000, rallye de jeunes. Frère et soeur, on prend ça à la presse, exaltant le Dieu de la terre. On met ça samedi. On me lève 6h pour faire l'ouvrage, même pour prier, même pas. On met ça à fond, vibrer, vibrer. Exaltant le Dieu de la terre. On met ça faux. Je me rappelle aussi, première fois, on tient à la presse King. Un joli cantique qui tient là-dedans. On prend ça, on met ça faux. Voisin, lève, voisin, puis crier, voisin. Et moi, je me dis, je vais péter, c'est qu'il manque, je vais écouter cantique. Un démon dans un petit peu.
Non. C'est moi qui mets ce volume-là trop fort. On peut dire, on se bat un samedi, qu'on a besoin de reposer, et nous la case pré-pré. On ne prend pas en considération, on a besoin de reposer, j'étais dans un enfant, j'étais un petit baba. On met ça fort. On attire les exécutions. Alors, besoin sage. On écoute la musique, écoute du bout. On écoute du faux, mais des fois, on nous aurait écouté du faux. On va pas besoin de faire la case vibrer, comme on va motiver. Ça, c'est premier. Deuxième, parfois, il y a du monde. Une manie dans eux, une la gamme, une manie, ma personne manie. Quand tu t'étais, je vous promets, ça fait que parfois, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Pas parce que je peux faire rien dans la foi, là-dedans, spirituellement, je peux attendre que le sang de Jésus fait quelque chose, mais comme une manie. Je t'ai promené avec une famille, de jeu d'un café, pourquoi, une cité, pourquoi, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Et famille toujours paranoïaque, c'est quoi ça? Que tout le monde m'a dit, allez, sortez des billes, allez. Beaucoup de malcars comme ça. Ou bien, un quelqu'un, un cadeau d'une fête religieuse, il donne un petit gâteau, il prend un gâteau là, après il jette ça devant du moulin à la poubelle. Discussion de la vie, grosse discussion de la vie dans la case, il prend un gâteau là, il jette la poubelle. Et les enfants, on faire avec la sagesse. Il ne faut pas nous attirer à la persécution. Il ne faut pas nous attirer à la persécution. Amen. Tu as prié pour la première fois, tu nous dans la case d'un monde pour te prier. Mais d'accord, nous ne faisons pas la langue. Personne ne parle pas la langue parce que tout le monde est nouveau là. Et toi, tu peux parler la langue d'une façon qui, ben, on n'a pas pu comprendre rien, ben, on n'a pas de ça bizarre, je vais agacer. Voisin, venez, comment je peux faire sorcellerie, là, que je peux faire? Comme ça, il y a beaucoup de choses qui nous besoin de veiller, nous besoin de la sagesse. Excès de zèle n'est pas bon. Nous avons besoin de la sagesse de toutes les choses. Mais on prend le temps de lire un peu les persécutions de l'Église. Mais pas besoin de l'occasion, faire lire. Il y a un livre qui s'appelle Fox Book of Martyrs. Gagne ce livre-là, lire, je vous trouve persécutions de l'Église. En ce moment, il y a une persécution en Chine, en Inde et dans les autres pays encore. Il y a une grande persécution à cause de ceux qui marchent avec Jésus-Christ. Mais vous connaissez au départ comment l'Église s'est persécutée? L'Église qui s'est formée. Au départ. Il y a trois affaires qui l'Église s'est persécutée. Bon, c'est vrai que le monde, César et ben, Romain, tu prends ça comme un prétexte pour persécuter l'Église, mais ça, c'est des trois petites choses un peu flagrantes qui sont mal interprétées. Est-ce que je te connais que dans la Bible, il y a beaucoup de places qui Paul peut dire Greet one another with a holy kiss. Il y a au moins 4 ou 5 places dans la Bible que Paul peut dire Greet one another with a holy kiss. Romains 16, verset 16. Salute one another with a holy kiss. 1 Corinthiens 16, verset 20. Greet one another with a holy kiss. 2 Corinthiens 13, verset 12. Greet one another with a holy kiss. 1 Thessaloniciens 5, verset 26. Greet your brothers with a holy kiss. 1 Pierre 5, verset 14, Greet one another with a holy kiss. Quand le monde peut trouver un chrétien qui a plusieurs chrétiens, et quand Paul peut dire Greet with a kiss, il n'est pas de dire, mais tenez, embrasser dans la bouche, dans la lèvre. Mais quand il y a un groupe du monde, il commence à embrasser dans la lèvre, dans la bouche, et pour dire un holy kiss, ça, un inconverti, il commence à trouver ça, c'est inceste, qu'est-ce que je peux faire là? C'est pas normal ça. Parce qu'il n'est pas dans ça l'objectif là qu'il peut lui dire. Deuxième, quand Jésus t'y fait la Sainte-Seine, et Jésus, et ben, disciples, ils commencent à répéter ce que Jésus nous dit. Voilà, vous autres, ne pouvez prendre le corps de Jésus et ne pouvez boire le sang de Jésus. Quand ben, Romain, avec moins d'enseignements qui tiennent à cette époque-là, puisque la chrétienté et l'évangile tiennent à fait nouveau, ben, du monde, ils connaissent, ben, appellent cannibale. Cannibale, ben, vampire, tu peux faire la mission là-bas. Persécution encore inévitable. Alors, comme ça, il y a beaucoup de raisons pour l'Église n'est pas persécutée. Il m'a dit, mais c'est qu'il y a un mot. Allez, Fox, Book of Martyrs, je vous trouve en affaire là-bas. Le diable, il peut dire tout le monde persécution. Quand Noé prend ce bateau, la Bible dit dans le Nouveau Testament, pendant que Noé, preacher of righteousness, prédicateur de justice, peut prêcher, peut rendre ce bateau toujours, banan peut moquer, banan peut bouffonner. Banan peut moquer, banan peut bouffonner. Joseph, il est persécuté. À cause, il parle l'Indien, non, il va pour dormir avec sa femme-là. Femme-là met un fossoir au lit, Joseph trouve la prison. Persécution. Persécution a différentes formes. Persécution, quand on lit la Bible, persécution a différentes formes. Je vais vous donner un autre exemple. Dans le livre de Néhémie. Je vais vous donner un autre exemple. Dans le livre de Néhémie, qui est mauvais qui chose, Néhémie vient le faire. Il va aller pour construire, lui. Néhémie, il l'est fait, il va aller pour construire. Mais la Bible, pour dire, dans le chapitre 4. Quand Sambalat de Sheba, Iban Arabe, Amorénite, Asdodien et Napran, qui ne peut construire le temple, on est très en colère, ils ont comploté, ils ont venu liguer, ils ont venu pour la guerre, ils ont venu pour discuter.
Pourtant, Pérons et Mirail, venez vous passer quitter. Chapitre 6, c'est pareil. Sambalat de Shiba et les autres, ils apprennent qu'ils miralent finir en Z, ben là, pour revenir pour la guerre. Persécution en gros. Persécution, Jésus s'est persécuté. La persécution, il y a ce qu'il appelle moqué, crasse-le-ou, rassou-la-bob, zou-mama, dégradou, fait tout pour blessou, fait tout pour dénigrer. Avant qu'il nous continue, on va vous donner des trois versets. Qui la Bible dit à la persécution? Qui Jésus dit à la persécution? On le montre aux autres, ceux qui ne font que tourner, on va rappeler aux autres ce verset-là. Apocalypse chapitre 2, le verset 10. La Bible dit à nous, c'est le diable qui envoie la persécution. À quoi ça, vous savez qu'on pense qu'à ça, dit, là, peut persécuter tout. C'est pas, ou pas la guerre contre Dieu, là. Même qui nous promet de s'inverser, Jésus dit, il n'y a pas la guerre contre la chaîne et les sangs, mais comme un esprit mauvais. C'est comme un esprit mauvais qui nous la guerre. Et pas comme un démon. Moi, j'ai la Bible dans Hébreu. Hébreu, le chapitre 10. Hébreu. Très intéressant. Hébreu, chapitre 10. À cause de ça, quand on dit dans une famille chrétienne, je vous estime heureux. Quand on dit dans une famille chrétienne, quand on dit maman, je ne pas déjà chrétien. Quand on dit frère, je suis déjà chrétien. Quand on dit dans l'entourage, tonton, tantine, dans la cour, tout le monde chrétien comme Jésus. Un jour, si vous avez l'occasion, dire bon Dieu merci, tout le monde de la famille comme Jésus. Pas tout le monde qui gagne ça sans ça. Maman, pas gagne ça sans ça. Pas tout le monde qui a sa privilège, sa grâce qui a gagné là. Hébreux chapitre 10, le verset 32. Souvenez-vous de mon premier jour, la cause de cet éclairé. Comment je finis? Vous avez soutenu un grand et douloureux combat. Qui ça combat là ça? Le verset 33. Hébreux 10, le verset 33. Un parti pour mesure d'être exposé. En anglais, c'est publicly exposed. En spectacle. Par les opprobres, par les tribulations, les persécutions. Oui, t'as les mots de mon exemple dans mon avis, comment publiquement, ben, Dieu les a dégradement, persécutement, t'as les mots de Dieu dans l'exemple. Un petit coup, Hébreux chapitre 11 aussi. Hébreux chapitre 11. Il m'a semblé de rappeler ça moulin, plutôt verset 32, chapitre 10, verset 32. Paul peut dire, dans mon douloureux et grand combat. Vraiment, qui peut les amener à un côté de la maladie, c'est un grand combat qui est non. Maladie, c'est pas un combat, maladie, ça c'est une météo pour continuer qu'on fait sa parole de Dieu, ou faire ce qui est besoin, comme la Bible dit, ou recevoir une guérison. Et qu'on ne peut pas s'en persécution, ah, un grand combat. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, verset 35. Un parti pour mesure, Hébreux 11, verset 35, un parti pour mesure qui est torturé. Je ne vais pas accepter la délivrance. Il n'y a pas de cause de rayon de délivrance. Hein? Il peut cause de coupe de la main, de rester aux ondes. Et tu as déjà dit, non, non, si tu ne m'envoies pas pour régner Jésus. Voilà, je vais dire, tu ne pas content Jésus, tu ne parles pas à l'église, dire, si tu dis, ne parles pas de rester. Non, je ne parle pas de moi, je ne parle pas de liberté. Continue tout le temps, mais je ne vais pas abandonner Jésus. C'est ça qui peut cause de délivrance. Voilà, je vais rejeter la délivrance. Le verset 36. Un parti pour mesure de finir passe comme une moquerie. Moquerie. Je me dis, moi, dans l'école, dans le collège, dans l'université, dans la famille, voisin, village, là, comme on fait pasteur, je me dis, moi, il disait, moi. Un parti finit être lapidé, avec russe. Moi, vous connaissez que les enfants, les avaient le moins leur bis, prend une plume qui ne tient sur. Tube en dents, crase, papier, mouillé, mettre la dent, craser avec la crasse. Après les pilons, avouez ça, colle dans mon lico, colle dans mon la tête. Ouais. J'ai voulu faire ça avec moi. Moquerie, fouette, la chaîne, prison, verset 37, lapidé, mise à l'épreuve. Tué par l'épée, le verset 38, maltraité, erré veut dire perdu dans le désert, perdu le montagne, parce qu'il peut sauver puis aller dans la caverne. Il n'y a même pas ce que la Bible peut dire, il peut être scié en deux, coupé en deux, mais je crois qu'il n'a pas abandonné Jésus.
coupé en deux. Comme pour les fois que vous commencez, vous trouvez comment, si pour un chrétien, si il est conduit, il fait un sévère respect, un sévère respect là-bas, un chrétien a fanandé. Brille les autres vivants. Parce que c'est quelque chose, frère et soeur, il y a tout sur forme. Laisse-moi dire une affaire. Daniel s'est persécuté. Vous connaissez Daniel s'est persécuté? Il est sur un camarade. Pour mettre la musique moderne, hein? Pour mettre la musique moderne, là, hein? Et me trouver un chrétien, pour moi, il arrive à ça. Comme un petit, moi, j'ai un peu de famille. Ben, pour à l'église, c'est. On peut appeler ça l'église, sa temple, qui est non, quatre bornes, l'eau, montagne, là-bas, là. Ben, au thé, on monte, 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 depuis là-haut, on trouve. Je me rappelle, moi, j'ai trouvé trop au cerf. Enfin, je me rappelle. Ben, une place religieuse qui est une famille, tu sais, quand je perds du lait, l'eau, ben, statue qui je peux prier. Pourtant, je connais mon chrétien. Force-moi, mène-moi là-bas. Donne-moi mes affaires pour sortir. Donne-moi mes affaires pour manger. Tiens-moi la musique. Je me rappelle comment tu fais langage télégou. Langage télégou dans la classe. Je fais télégou langue orientale jusqu'à 6e. Pour j'ai tout menu debout. Faire la prière. Répète la prière. La prière. Tiens-moi un bout de religieux là-dedans. Comment ça? Je me fais aller. Après, je me dis non. Mon parent, ils arrivent à l'école, expliquer, ils n'ont pas pour faire ça la prière là. Maintenant, inspecter à Vini. Inspecter langage, langue orientale, Vini. C'est fait. Je me demande de vous, on fait comme ça. On fait le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Persécuté, frère et soeur. Mais tout dans quoi la place, parce que vous ne pouvez pas parler comme les autres. Regardez le dernier chapitre. Si mon père préféré, c'est chapitre 4. Je me souviens un petit coup, Daniel. Daniel s'est persécuté. Tu mets de la musique pour qu'ils se tout prosterner et pour se tout adorer. Et tu fais t'allumer de l'autre côté. Tu fais t'allumer, lion pan pan gain manger pendant tout ce jour-là, pour se dire dans la fosse au lion. Voilà. Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3, une grosse statue élevée. Mon papa peut donner l'exemple de statue dans la Bible ou bien mon peut donner l'exemple dans mon avis. Est-ce que vous connaissez combien de chrétiens en cause de famille font ça avec eux? À cause de ça, vous me dites, là, nous. Parfois, nous pensons la vie chrétienne, nous capables mettre un cantique, nous capables mettre un pasteur bénin, causer la télévision, nous capables mettre Facebook, écouter tout le pasteur prêcher, nous capables prendre la guitare, jouer, nous gagnons un tas la Bible dans la table. Parfois, nous pensons, tout chrétien dans l'île Maurice, tout chrétien dans le monde, peut gagner sa facilité là. Détrompez-vous, frères et sœurs. Détrompez-vous. Pas parce que tout le monde peut mettre la musique chrétienne, faut un pasteur peut prêcher, faut. Pas parce que tout le monde peut inviter un pasteur pour venir manger, tout. Vous voyez comment parce que papa invite un pasteur à manger. Rarement. Venez mon papa pas là peut-être. Rendez visite. Donnez un pasteur à manger dans la case. Au nous un pasteur avec sa famille. Ça, c'est une grâce qu'on gagne, ça, frère et soeur. La sienne a dit qu'on gagne sa grâce, ça, je ne vais pas faire. Moi, moi-même, mon papa a dit qu'on invite moi pour manger, mon papa pour qu'on vienne, mon papa pour moi. Mais mon petit, qui a été grâce qu'on gagne. Ah, nous, on ne pas tirer sa grâce, non. Mais la musique faux. Vous connaissez ces persécutions? Quand je me donne un propre placard, ils mettent la musique mondaine, religion, la prière, religieux, faux. Pas plus qu'à concentrer dans l'éducation, pas plus qu'à concentrer dans la prière. Pas, on est pour prier, on est pour faire cellule, ils peuvent mettre ça faux là-bas. Qu'est-ce que vous faites là? Persécution? Moi, je reste dans la salle avec un Indien quand je suis étudié en Inde. Un Indien de l'Inde, moi, je dis, un Indien, sorti Punjab. Moi, le lit, à gauche, celui lit, à droite. Moi, la table, à gauche, celui lit, sur la table, à droite. Comment on peut mettre mon cantique, on peut écouter? Tu peux mettre sur la prière faux. J'ai l'impression qu'il faut l'écouter. Comment on prend la guitare au besoin? Il y a un camp, ça grossit là. Un camp, ça grossit là. Il est petit comme ça. La fumée est pleine. Persécution. Et pas juste dans Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 6 aussi. Quand Daniel peut tomber dans la fosse au lion. Daniel, tu ne passes pas par une persécution. Jean-Baptiste, il ne passe pas par persécution. Madame, coupe sur les coups. Coupe sur les coups. Et il y a trois niveaux de persécution. Premièrement, c'est Mandjimou l'étranger. Mandjimou qui ne te pas connu. Je te persécute toi. Ah oui. Mandjimou qui ne te pas connu. Mandjimou qui ne te pas connu. Moi, ça m'a fait la dope. Je ne pas connu que ça m'a fait la crasse. Ça m'a fait papier là. Mandjimou dans une nouvelle église, bel état. Mandjimou peut me persécuter. Ne pas connu Mandjimou là, il y a un problème. Une nouvelle église, il y a un problème. Je ne pas connu. Un étranger. Parfois, un voisin. Voisin peut faire son série. Voisin peut avoir quelque chose que toi. Voisin peut mettre la musique faux. Voisin peut jouer toi parce que toi tu peux à l'église, ben, voisin peut pas discuter toi.
tu deviens trop religieux, tu acceptes une nouvelle religion, tu es dans la classe. Moi, on appelle ça persécution des pays étrangers. Je ne te pas connais. Moi, je suis dans les gens en cours, une fois que tu as fait évangélisation à une place, ben, du monde qui ne nous pas connaît, un groupe du monde qui ne nous pas connaît. Mais tu fais la bouteille à voyer, craser, tu fais prendre, tu es dans l'attente, crase bouteille, l'eau s'y met, puis venir pour arrêter ça. On n'est pas connu. Je me rappelle une fois que tu vas à l'église, comment ça s'appelle? Anse-Jancé, fini qui te bélire, quand tu parles avant Olivia pour aller à un endroit là. Mais tu vas à l'église là-bas. Maintenant, on a une crase l'église là, soit. On a fini de faire tout, de le peinturer, de le casser, de le ranger, de le crépi. On a fini de mettre tout pour faire ouvrir l'église dans demain. En soi, on a une crase pour tout. Crase pour tout. Ben, je ne l'ai pas connu. Persécution, pas ben, je ne l'ai pas connu. Persécution, pas ben, je ne l'ai pas connu. Les paris, comment en Inde, le 25 décembre l'année passée, ben, je m'en, un groupe de monde religieux, il rentre dans une église catholique. Pentecôtiste plutôt, là comme là tu es supposé faire une réunion le 25 décembre, et ben là tu fais de bhajan, tu fais de la prière religieuse, religion, dans sa l'église chrétienne là. Quand le pasteur vient, il va dire, il vient, il trappe tout le monde chrétien de baptême pour passer à mettre de prison. Parce que là, par contre, ça va dire, non. Pas un étranger. Persécution pour un étranger. Moi, je vais donner le nom de la liste, mais moi aussi, je peux quand situer où, c'est que je peux dire. Deuxième phénomène de persécution, on appelle ça inside people. Ben, je m'en ai de propre famille. Par exemple, Caïn s'est persécuté, Abel s'est persécuté par ben, je m'en ai de propre famille. Joseph s'est persécuté par ben, je m'en ai de propre famille. David s'est persécuté par ben, je m'en ai de propre famille. David s'est persécuté par les rois qui bien connus, les rois qui l'ont bien connu, les rois qui l'ont mis sous âme, sous gendre. Beau-père, ça, beau-père. Pas ben, je m'en ai de connu. Ben, tu m'en as de famille, parfois, pour persécuter toi. Maman, papa, frère, c'est qui pas connu Jésus. Bouffons toi, j'ai tout la tête sur toi. Ben, camarade, parfois. Ben, tu m'en as de village. Ben, camarade qui te paye travail. Ben, collègue de travail. Ben, persécution, venez pas, ben, tu m'en as parfois qui te connaît. Tu connais, tu connais maintenant. Ben, pour persécuter toi. Ça, c'est déjà un niveau persécution. Quand persécution, venez pas, ben, tu m'en as connu. Est-ce que vous connaissez qui Saül? Saül, tu as persécuté à un moment donné. Pas ben, tu m'en as qui connaît. Et tu es parisien. Mais tu connais ton man du monde qui peut venir vous persécuter. Mon esprit pharisien. Voilà, tu viens vous persécuter. Pas man du monde, il connaît. Jésus s'est persécuté. Je dis l'exemple. Jésus s'est persécuté. Pas man du monde, il connaît. Il y a même qui Jésus peut dire ben là, sois vraiment avec Dieu, qui est réellement fait. Après, on a une persécution, un troisième niveau persécution. Mais pas trop quoi dans Maurice, c'est une bien ça. C'est au niveau law and order ou bien à country level. Est-ce que vous connaissez un pays qui passe dans la loi, pas une loi convertie? Et dans un pays, il peut causer une persécution au niveau national, au niveau pays. En Inde, là-haut, en Inde, ben, du monde peut être persécuté. Dans un pays arabe, ben, qui gagne du corps de Jésus peut être persécuté. Latine, américain, ben, du monde peut être persécuté. La Chine, c'est un pas ce qui m'a été persécuté. Parce que la journée, tu peux lire The Persecuted Church in a newsletter qui circule tous les mois avec une summary de la ben, persécution qui est n'importe où. Bon, on va prendre un détail là-bas. Man fait, man fax nous peut dire là. Alors, il y a une persécution à country level. Frères et sœurs, nous qui sommes Maurice, priez qu'ils amènent le pays rentre dans sa qualité de persécution là. Là, parce que ou quoi de Jésus-Christ, ou pas gagner promotion, ou pas gagner travail de gouvernement, ou pas gagner acheter manger, coupe ou la main, brille aux enfants, décide où. Ah, il y a un pays qui passe pas dans notre cité. Nous, nous sommes un pays tranquille, calme. Nous ne pas sentir mal de persécution qui peut gagner les autres places. Mais si ça arrive, que vous faire? Si ça arrive, est-ce qu'il me paraît? Est-ce qu'il nous prie? Est-ce qu'il nous prie? T'as la même chose, un exemple. De mon avis, laisse-moi demander les gens de mon avis, après vous pouvez continuer. Mon papa, tu fais ce qu'il nous a connu à l'église. Mets-nous des hauts dans la case, ferme la porte, laisse-nous des hauts. Mon ça passe par la fenêtre, deux, trois fois, par la fenêtre, à l'ouvrir la porte, et puis en dedans, pour que mon maman, mon frère, mon soeur dans la case. Mon papa nous a discuté parce que prendre manger, avoir le moment, la guéonne, quand nous parler, la guéonne, la guéonne, la guéonne. Mon papa nous a même dit, est-ce qu'il y a une mission qui peut nous temps manger? Moi, mon père travaille comme un labourin, mon père peut nous manger, mais qui mission peut bien aller? D'une certaine façon, il veut ce qu'il peut dire. Mon papa qui peut travailler pour nous manger. Pas mission. Papa dit, moi, vous avez logique pour toi, pour persécuter toi. Logique. Logique, vous avez logique pour persécuter toi. Vous êtes sous qualité guitueuse? Persécution. La guerre traumatise nos petits-enfants, on traumatise eux, ma famille, persécute tout. Chaque fois, on allait pour manger pour l'année, et ouais, tu peux divin, là-bas, tu peux boire divin, frère, c'est même nous.
Elle va me arrêter un kiken. Et vous venez, ce qu'ils ont me dit un jour. Ou quand on fait aux bonnes affaires, même on bouffe nous en public. Mais on respecte ce qu'ils vous font. Mais qui fait nous, chaque fois qu'on nous joint, chaque fois on a des affaires comme ça, vous dire, c'est pas bon. On va pas réaliser qu'ils vous payent. Gentiment, mon Dieu, et la bonne grande, du monde, vous direz, sans guitare, je vais laisser, Mais non, pas laisser. Un coup, des coups, des corrects, mais tout coûte, tous les derniers. Il n'y a rien avec ça, on n'est pas bon. Il grand, il vous a donné l'exemple. Il y a des puissants jours-là, une caline arrêtée. Parce qu'il n'y a pas ce que la Bible dit, répondre l'insensé. Pas la gueule, répondre-lui parfois. Avec l'amour, quand tu réponds, il peut arrêter. Quand on la gueule, il me plie, là, il ne fallait pas. Non, non, avec l'amour, gentiment. C'est là mon manière ridiculisée. Je connais Jésus. Jésus, pour dire des affaires dans Matthieu chapitre. Vous savez, on courage. Le but de saint message, c'est encourager un dimanche qui peut être persécuté. N'a pas relâché, n'a pas découragé. Matthieu chapitre 5, Jésus pour dire heureux serez-vous lorsque. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, à cause du royaume, quand le royaume des cieux est à eux. Et là, juste après, Jésus pour dire. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent et faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Jésus vous donne un exemple qui nous a fait prier pour maintenant. Ah oui, on prie pour mon papa. J'amène mon manque l'amour, j'amène mon manque respect pour mon papa. Au contraire, quand il finit la guerre, nous, s'il est sous, il peut manger côté à table, après il reste côté à table, même là, tomber, en bas. Moi, avec mon frère, nous l'avons vu quand il était. Nous faisons l'arbre sur la main, amène CO, l'arbre sur la main en place, nous l'avons vu, amène le lili, si tu fais frais, mon couvert et tout. Vous savez ça. Mon papa, s'il finit là, papa, quand il est tout côté de la table, tombé, lévé. Fais que passer avec nous là, fais que la guerre, fais que discuter avec nous là, fais que battre nos mamans, fais que. L'amour, parce qu'il nous finit à prendre, c'est le diable qui fait servir ça là. Alors que ça, quand nous prions, nous attachons le démon antichrist. Un testament de démon, l'esprit mauvais qui peut animer sa papa là pour la guerre contre nous, pour créer des ordres. Et comme Dieu, comme mon papa peut persécuter nous, voisin qui peut guider la télévision, mais peut guider radio, baisse télévision, pour guider la règle de nous. Nous rendons grâce à Dieu, amène l'ambulance et nous amène contre nous pour prendre du monde pour aller parce qu'une coupée, c'est pas du sang coulé, c'est pas l'amour. Gloire à Dieu. Bon Dieu, nous préserve nous de tout mal. Nous rendons grâce à Dieu. Un professeur, un camarade, beaucoup bouffe nous, ridicule. À cause de pas boire, pas fumer. Cachette mon sac. L'école est finie là, mais pas encore au sac. Parce que moi, je suis chrétien. Je ne connais pas pour la guerre, je ne connais pas pour. Parfois, quand j'ai besoin de jouer au volleyball, je ne peux choisir tous les autres camarades, pas pour choisir moi. Qui fait? C'est une mission, ça. Mais qui problème là, c'est mon mission? Mission qu'on fait, qu'on serve un volleyball, qu'on. Qui mission on peut faire là? C'est pour moi, tu sais, jusqu'à quel point. Parfois, on ne peut pas réaliser aux enfants qui ont volé l'école. Mais il ne peut pas se faire persécution, il ne peut pas se faire une moquerie, il ne peut pas se faire une bouffonnerie, au Paris, à l'ISAO, dans le collège, dans l'université, pas du tout, de travail. Alors, c'est important pour prier pour bons enfants, prier pour eux-mêmes, prier pour ceux qui sont autour de vous. Gloire à Dieu, merci Jésus. Persécution. Quand on arrive là pour faire un projet, personne ne va aller mettre moi dans l'autre équipe. On a fait un projet entre autres. Quand je peux connaître comment vous avez fait quelque chose, ce n'est pas pour dire où. Non. Parce que vos missions, pas pareil comme les autres. On ne pas connaître les autres parents, fin des autres, pas besoin de fréquenter. On ne pas connaître que les jeunes filles développent sa conception. Là. Merci Jésus. Je vais donner un exemple. Comme tu es en Inde, on a étudié l'Inde. Dans le Mauritien, Zouane là-bas. Mauritien étudiant. 2000, 2003. 2001, quand on fait rentrer. Fini faire enregistrement, l'université, première semaine. Hein. On a pu boire, tous les semaines, on a pu boire. Boire la billet, tous les semaines, on a fait. Avant l'université, on a fait tous les jours, on a fait. À Koban ancien, Koban signaux, fait tout dérouler là. Boire, est-ce qu'on peut se souvenir? On va boire, moi. On va boire. Mais tout le monde est là-bas, et on a signaux, je suis dans le même pays là. Je suis dans le même moment là-bas. J'ai un accompagnement, c'est-à-dire, moi avec Dieu. Rasmo souci là. Assoir comme au pédomie. Prends blendax. Mettre de mon coup. Et un jour, je peux rester, et puis tard, je peux boire. Je tiens à moi avec un autre qui canne encore. Faire une nouvelle striptease devant tout le monde. Pas si moi, mais les autres assis. Comme ça, ragging. Et moi, plus, parce que je ne peux pas boire, je ne peux pas fumer, je ne peux pas tout ce que je peux faire. Faire nous prendre les doigts, les pieds, et mettre derrière les chiens. On a un petit peu sur les chiens, un toutou. Persécution, aïe, aïe. Dis-moi, ne passe pas persécution ou pas réaliser.
C'est l'évangile. Là, il pense que nous, quand nous croyons de Jésus, pour nous la foi, l'amour, la guérison, la délivrance, l'onction, prêcher. Pour une persécution. Mais qui vous fait quoi passer par persécution? Qui vous fait quoi passer par persécution? Gloire à Dieu, merci Jésus. Le travail. Parfois, ben qui dans un autre groupe, un autre clique, à cause où, chrétien, mais tout de côté, quand je te connais, qui va nous faire bien faire, je vais pas prendre temps avec vous. Comme ça, il y a beaucoup de qualités. Persécution, il y a beaucoup de formes, beaucoup de façons que le monde persécute. Ceux qui ont business, ceux qui ont business, comme le monde a business, il y a des pasteurs, il y a des choses pour chrétien, il n'y a pas de nom sans contrat là, et ça cause mon corps de Jésus, et ça cause pas pour le bribe, et ça cause pas pour faire une enveloppe passer en bas à la table. Parce que vous connaissez, il s'accroche pas pour faire un film, pas faire manger, boire, pour inviter pour participer. Il s'accroche pas pour la boisson. Alors, c'est mon Dieu, on a fait seulement. Aux récompenses pour venir de Dieu. Aux récompenses pour venir de Dieu. Le Dieu, c'est gloire à Dieu. Ah oui. Aux récompenses pour venir de Dieu. Merci Seigneur, merci Jésus. Je connais que la Bible dit dans Marc 10, verset 30. Tout le monde dit qu'il est persécuté à cause du nom de Jésus. Ici, le salaire est même nous recevoir 100 fois plus. 100 fois plus bénédiction, 100 fois plus promotion, 100 fois plus client. On peut profiter de ça dans la vie. 100 fois plus bonus, 100 fois plus meilleur travail, 100 fois plus title, 100 fois plus dans tout domaine de la vie. Persécution. Maintenant, qui nous a fait quand on dit une persécution? Nous sommes à cause de beaucoup de différents fonds de persécution encore. Comment. Qui nous a fait hein? Nous qui chrétiens, comme on dit, nous persécutons, qui nous a fait hein? Nous qui sommes des Thessaloniciens. Paul pour bien summarize ça. Gloire à Dieu, merci Seigneur. 1 Thessaloniciens chapitre 3 et le verset 3. 1 Thessaloniciens 3, le verset 3. Il ne faudrait pas nous disturber quand nous passons comme une persécution. Il ne faudrait pas nous laisser ça déranger nous. Disturb, en anglais c'est unsettled. Faites pas nous laisser manger, nous risque consommer nous. Les premières affaires que le diable pour faire, quand persécution vient, premières affaires que le diable pour faire, ben mon corps de Jésus, moi qui fais pas, qui parie moi ça, qui parie existe moi ça, qui parie l'autre là ça. Mais quand Jésus était, mon à l'église comme matin, mon demain la dimanche le fond moi, mais on va pas aller à l'eau, on va pas arrêter à l'eau. Vous trouvez? C'est un que le diable a envie de faire. C'est que le diable t'a envoyé sa persécution là. Et n'aime pas ce que tu dis, mon écrit à ça là. Le diable a envoyé persécution. Ah voilà. Matthieu 13 et le verset 21. Matthieu 13 et le verset 21. Je connais la parabole du semeur. Matthieu 13 et le verset 21. Qu'est-ce qu'il dit à ce verset là? Celui qui recevra la parole de Dieu, tout de suite est dans la joie de celui qui est, après partir dans la racine de lui-même, ça dit mon avis comme Adjian Kiken qui contribue la chose pour venir. Et persécution pour venir à cause de la parole. À cause de la parole. Il y trouve une occasion de chute. En anglais, c'est He quickly falls away. Il peut tomber. Le diable a vu persécution pour un chrétien tomber. Beaucoup de ma soeur qui commence une église, à cause de Marie persécute Dieu, je n'abandonne le Seigneur, je mets de la foi tombée. Donc, comme mes enfants qui commencent une église, à cause de parents, mais trop beaucoup prêchons, trop beaucoup prêchons, je n'abandonne, je mets de la foi défaillir. Frères et sœurs, où la foi, personne n'a qu'à empêcher ou quoi d'une petite chose. Personne n'a qu'à empêcher ou quoi de Jésus. Personne n'a qu'à empêcher ou quoi de Jésus. Pas relâche, pas aller sur la foi relâcher, pointi oui, pointi non, une boudia, belle-même boudia avec moi, pas plus qu'aux hommes, allez, mon père est à l'église. Bopien arrête à quitter moi, travail, mon père est à l'église alors. Ben là, puis dire, mon père, un garçon pour marier, si mon mission, mon père à la mission, jusqu'à qu'il m'en gagne, un garçon pour marier, laisse mon gagne mariage. Comment ça, tu m'en disais, une persécution? Mon cerf, tu peux marier. La case mariage, mon cerf est marié, ça m'a oublié ça. On le met quantique. C'est ça, quand il a parlé de Mouche Pédio, mon frère, on a des pilènes là. Quantique. Un tantin, un cousin, un cousin. Hé, taise, on va te faire mal. Taise, sans ça, mettez une macarina, mettez un cigare, mettez un. Une sorte qui, je ne me rappelle pas qui va nous l'indiamant.
Elle me dit, non, tu as été de faire mal, tu as plié, écoute, ça, tu as été par une faire mal. Moi, tu vois, tu dis, tu n'as quoi, 15, 16 ans. Elle me dit, mais comment, moi, je suis venu de mariage, qui est de te faire, pas mission. Moi, j'ai même déjà dit, je m'en ai fait mal, mais ça, tu as la faux. Mais ça, santé la faux. Mon Dieu, dis-moi. Alors, parfois, même dans le jour de mariage, hein, vous pouvez dire, vous venez de penser chrétien, il y a une persécution du jour de mariage. Donc, ça, mon Dieu, t'as là, ou peut-être ou pas réaliser qui compte les grands sont gagnés quand vous connaissez Jésus. Moi, je connais magnifique qui connaît Jésus. Je suis là pour marier, je ne parle pas comme Jésus, je dis, je vais venir, je vais boire, je vais venir. Vous venez dans la boisson, vous y avez. Oui, non, tam tam. Oui, ménage de enfants. Jou mariage, beaucoup de gens qui viennent qui amènent la boisson dans la box. Chrétien n'a pas servi la boisson, lui. Mais ben, je vais venir mettre la boisson dans la box, amène la table. Et il vient un mauvais témoignage parce que n'a toujours pas connu. Il n'a pas servi la boisson, quoi, ben, un mauvais témoignage. Mais c'est quelque chose de tout faux, frère et soeur. Parce que là, peut prêcher tranquille, peut prêcher, tout le monde tranquille, elle n'a pas commencé à faire ta part, elle n'a pas commencé. Moi, je vous donne l'exemple du mariage. Je l'enterrement, on les a trouvés à ces questions. Je l'enterrement. La femme me rappelle, nous n'allons pas enterrer, dis-moi, ce sera mieux pour la guerre. Qui Michon, pour me faire l'enterrement? Michon, pour pas proposer, puis là, non, pleure, bagage, allez. Il y a une discussion dans l'enterrement. Persécution dans l'enterrement. Est-ce qu'on prie, frères et sœurs, pour persécution? On ne peut pas causer ou persécuter à cause ou à l'église. On peut causer demain si vous venez pasteur. Tout ça dans l'exemple où un pasteur, pour un moment, on peut prêcher dans le mariage. Un dimanche, on peut faire des jours de mariage. Qui vous fait? On peut faire l'enterrement. On arrive pour faire l'enterrement. Un dimanche qui autant d'une baleine venue à l'église. Discussion, les jours de l'enterrement. Qui vous fait? Vous êtes prêts? Prêt, frères et sœurs. À cause de la Bible, be ready in season or out of season. Amen. Bon, est-ce qu'il y a un coup qui pense à faire qui Paul pour encourager nous faire quand nous passons par persécution. Et beaucoup là-dedans, ceux qui m'ont réalisé, m'ont mis en pratique, ceux qui m'ont trouvé, ça m'a dit, c'est là. Quand nous passons par persécution, il ne faut pas nous abandonner la foi. Ça, première affaire, il ne faut pas abandonner. Pas abandonner la foi dans Jésus. Et là, dis-moi, malheureusement, quand je passe par persécution, je pense de la Bible, je disais, je pense parce que c'est sur un CD, sur un DVD, je disais. Moi, je connais, je me trouve un chrétien, quand je décroisé, je ne prends un livre qui appelle la houlette du BRG. Moi, je suis devenu ça. Prends ça, puis je dis, je me dis, bon, pas pour entendre les détails, mais il ne fallait pas qu'on nous paye une persécution. Première affaire, quand on gagne une persécution, passer toute la Bible, passer toute la guitare. Non. Deuxième, 1 Thessaloniciens 3, le verset 4. Paul peut dire, comme tu es avec eux, I kept telling you. Mon continue dit eux, je peux gagner cette question. Malheureusement, parfois qu'on écoute un message, prêcher, on peut dire en général, dans l'église, le corps de Jésus. Parfois qu'on écoute un message, prêcher, on a l'impression qu'on va dire, ne peut vous venir la vie parfaite, c'est ça, mais vous gagnez cette question. La façon qui parfois nous présente l'évangile, la façon qui nous présente l'évangile, parfois, nous peut maquiller l'évangile. Une façon qui. Quand je me passe pour persécution, je dis, hey, I did not register for that. I did not subscribe for that. No one told me for. Personne m'a dit, mon père, notre choix. Il y a une surprise là. C'est l'évangile là, qu'on appelle nous full gospel church, qu'on appelle nous plein d'évangile. Nous sommes capables de présenter ça l'évangile là dans tout sous plénitude. Nous sommes capables de dire à du monde, c'est, ou pas être persécuté un jour, ou frère, ou pas. Ne pas partir à persécution. Persécution, quand il est venu, bon Dieu pour nous plus que vainqueur. Mais, il n'y a pas quoi, c'est un tapis rose. Non, frères et sœurs. Le sage a bâti sa maison sur le roc, mais il pleut. La pluie vient, divan vient. Cyclone pour venir, tempête pour venir. Mais toi, tu ne bâtis pas la vie sur le roc. Mais divan pour venir, tempête pour venir. Amen, frères et sœurs. Alors, il ne fallait pas nous la foi, mais une trop bonne aussi. Il ne fallait pas nous la foi, comment dire, nous croire dans Jésus-là, comment dire, nous marchons avec Jésus juste pour l'intérêt. Quand on a un peu de mon portage avec vous, là, je vais juste vous faire avec vous. Mais essayez d'écouter ça VSC là. Dans Hébreu, toujours, Hébreu chapitre 11. Hébreu chapitre 11, les causes de la foi dans le monde. Mais néanmoins, deux places, les dire. Et il y a un homme qui aime, je ne persévérer, même si je ne gagne pas une promesse là. Qu'est-ce que tu dis ça?
Seigneur, me rends-toi grâce. Dans Hébreux, il dit ça même deux fois. Verset 39, dit qu'il dit. Elle l'a lancé verset 39. À tous ceux-là qui avaient reçu par leur foi un bon témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Et non, moins des places. Dans Hébreux, il dit, « Bandimouna, il passe par beaucoup de problèmes, mais ils n'ont pas obtenu la promesse. » Je parle ici, « Vigne, jusqu'à pas venir la promesse. » Verset 13. Verset 13. « C'est dans la foi qu'ils ont... » Voilà. « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin. » Frères et sœurs, prends toute la vie chrétienne, toute spiritualité, tout niveau chrétien qui est capable, tout l'amour qui vient pour Jésus, tout, prends tout ça là, mets ça au balance un petit moment là. Et remets ça, nous regardons ça verset là. Et il a dit, moun, je reste dans la foi. Même si ce cas je mort, je ne vais pas obtenir un des banquiers qui me promettent, qui est dans la promesse de Dieu. Je me trouve de loin. Est-ce que nous sommes un chrétien comme ça? Faire qu'on m'a dit. Je vais dire un exemple. Hein? Faire qu'on m'a dit. On a une maladie dans l'ego qui peut déranger, qui peut taquer nous. Faire qu'on m'a dit. Jésus va guérir. Mais si arrivé jusqu'à ce qu'il meure ou pas gagner sa guérison là, est-ce qu'il va abandonner? Bon Dieu promet tout, longue la vie. Et là, dans la Bible, promet longue la vie. Mais si vous mourrez de 60 ans même, est-ce qu'il trouve famille pas abandonner Jésus parce que vous mourrez de 60 ans? Si ça, un verset là, ça cause beaucoup pour nous. Hein? Parce que parfois, on remarque qu'il y a un chrétien, je dois faire une trop simple, trop pour moi aussi. Ma maman m'appelle ça trop pour moi aussi. Point oui, point non, je ne vais pas à l'église, je ne vais pas à l'église. Il ne prend mon place parking, je ne vais pas à l'église à ce stade. Il ne servit pas la Sainte-Seine, dernier, il ne servit pas la Sainte-Seine, on ne va pas à l'église à ce stade. Pasteur va appeler mon nom, pasteur va faire ça, mes enfants pas besoin de la guitare, mes enfants pas faire ça, pasteur va venir à moi en visite. Et hey, oh! Chapitre 11, verset 13. Et ne m'ajoute pas d'obtenir la promesse, mais je ne crois, continue, crois jusqu'à la fin. Nous avons valorisé la foi, nous avons besoin de valoriser la foi, frères et sœurs. Nous retournons dans Thessaloniciens. Get un des mêmes choses que Paul pouvait nous faire. 1 Thessaloniciens 5, le verset 16. Be joyful always. Get ça. On ne peut pas dire quand un démon peut persécuter ou commence. Il y a une différence entre joy avec laughing. Vous êtes d'accord avec moi? Ça, qu'est-ce que ça? Ça, c'est rire, smile, laughing, ça. Ça, c'est laughing. Laughing. Imagine nous, tu peux battre un démon, et que toi, tu ne peux plus battre en cours. Mais vraiment, tu peux donner une leçon. Un petit enfant, on peut donner une leçon. Pourquoi faut mon oublier qui classe. On peut pincer, on peut corriger. Dès que moi, il peut rire, il peut fronter en moi. Moi, je n'ai pas rien du mal. Moi, je ne peux plus battre en cours. Quand on est persécuté, mon Dieu, pendant nous, l'offre. Ben, je dis, c'est pour ça même mental. Vous avez compris que la joie nous appelle l'état de cœur. Je me rappelle quand mon papa a fait causer, il y a la joie dans mon équerre. Moi, il y a la paix dans mon équerre. Moi, il y a la joie parce que je vais persécuter à cause de Jésus. Moi, il y a la joie parce qu'il y a des affaires qui sont vraiment sacrées, tristes, crispées. Ah. Ben, je me dis en place, souvent l'exemple que je me donne là. Ah non. Et la joie de mon équerre, frères et sœurs. Aussi pareil, n'a pas perdu ou la joie pour être persécuté. Quand pas un contrat, pas un permis, pas un travail là, à cause ou quoi de Jésus, ben on boycotte tout, sur n'importe qui forme. N'a pas perdu ou la joie. N'a pas perdu ou la joie. Reste dans la joie. Esprit de joie, l'esprit of gladness, animaux. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Le premier reste dans la joie, l'état d'équerre. L'état de cœur important. La Bible nous a fait a merry heart. A merry heart. Il fait que les corps sont en bonne santé. Il y a une journée d'exemple. Verset 17. Verset 17, il nous a prié en tout temps. Alors, écoute bien, Stéphane.
quand on passe par persécution, on vient prier pour des qui connaissent. Un, on vient prier pour ça, des gens qui peuvent persécuter tout là. Deuxième, on vient prier pour eux-mêmes qui peuvent persécuter. Ou comment on prie pour quand on peut être persécuté? Ben, on beaucoup, marine partout, une bouffonou, une race au CV, une tient aux fausses dents, pas pour être nous, fausses dents, c'est-à-dire, un exemple, on peut donner rien. Seigneur, vous priez pour, enfin, moi, je vais vous place, hein. Seigneur, je pardonne mon mari, au nom de Jésus-Christ, qui ne battement. Et dans la paix, dans la joie de mon équerre, de même, tu me dis, je vais persécuter à cause de toi. Je vais appeler ça dérangement, Seigneur. Mon faux, mon plus que vainqueur. Un jour, ma famille ne peut être sauvée. Mon plein témoignage, je vais raconter un jour. Ça t'a donné une inventaire. Tu vas prendre une place dans moi, au nom de Jésus. Pas bon Dieu qui n'a voyé ça? Alors, mon bougot, c'est qui bon Dieu n'a voyé? La paix, la joie. Tu as prié pour toi-même. Tu as prié que toi, tu es capable de lui. Bien sûr, si tu as un diman, une coupe-toi, une batte-toi, une enflée, tu as besoin de travailler le lendemain. Seigneur, je pose un peu le mot enflé, une ferme un diman, le mot disier là, il met une bleue. Je vais perdre l'homme aujourd'hui, je crois, Seigneur, demain, je vais prier pour désenfler. Et pas pour paraître mon diman. Je vais croire là-dedans dans le nom de Jésus. Ou bien quand il y a une crasse vide, une crasse, une crasse d'eau potable. Seigneur, moi je te remercie, mon potable est écrasé, Seigneur. Je vais faire ta confiance, tu as le meilleur potable parce que je vais être persécuté à cause de toi. Et pareil, quand tu prends mon motocycle, mon évangélisation, tu es en discussion, maintenant tu crasses bouteille. Quand tu peux rouler la roue pour bien fit, ainsi de suite. Moi je vais essayer de vous protéger mon motocycle, pas pour aucun fit, je vais retourner la crasse bien, je vais vous l'épaule. Alors priez pour vous-même. Il y a potent, priez pour vous-même. Deuxième, il y a potent pour prier pour ça. Dis-moi que tu veux persécuter tout là. N'importe qui ça, il t'a pas aidé. Papa pardonne-lui. Il pas connu qu'il peut faire. Beaucoup de gens ils priaient comme ça. Philippe, Jésus, plusieurs d'autres ils priaient. Papa pardonne-lui. Il pas connu qu'il peut faire. Enlève une voile, enlève l'écart de son intelligence. Montre-lui ce qu'il peut faire n'est pas correct, Seigneur. Reprends l'autorité, l'autorité de puissance mauvaise qui peut animer, qui peut exciter pour venir la guerre contre moi, pour venir persécuter moi. Moi chasse ça, démon là dans le nom de Jésus. Toi pas bien droit rester mon famille, toi démon. Moi mon famille nous connaît Jésus. Ça même du monde qui peut battre moi, les mêmes qui parlent moi à l'église un jour. Ça même du monde qui va péter moi à l'église, les pouvoir me baptême au nom de Jésus. Ça même du monde qui peut prophétiser, prophétiser, prophétiser le jour sur la vie. Prophétiser le jour sur la vie. Vous voyez que tout le monde nous a prié? Les arrivées, si on ne va pas déranger au papa, ou bien du monde dans la case, au monde là-haut, dans la case, pour prier. Là-haut, en 6 on guide des étoiles, on guide des montagnes, on guide de la mer là-bas. En temps, on va prier, on va prier dans différents sujets, on va les états, on va prier. Après, on va prier des salons en bas. Mon papa, il est à la maison pour ne pas déranger, pour ne pas discuter, pour ne pas attirer la persécution. Alors que ça, c'est quand même mon Dieu. Il y a même une persécution, je vais m'attirer. Dis-moi, dans la case, fais dormir, on va dire, soit à tous les bêtes. Chacun va prier. Et déjà, bien la sagesse. Rendre tout la sainte, ferme la porte. Si dans son organisation, tu fermes bien. Ce que n'est prier de soi-ci, mon Dieu, que je sais. Peut-être que les chrétiens ne pas comme ça. Prier de soi-ci. Comment les a prié comme ça? Mon équipe peut crier, mais mon la voix bas, bas, bas. Dans mon équipe, on peut crier seulement. Mais le ton de mon la voix, il bas. Ça, c'est bon Dieu que je sais prier. Attention, quoi, qui bon Dieu que je sais prier. C'est comme ça, les bas voix. Alors, là, moi, je suis dans l'école maternelle, pas devant que nous, je sortis, je de l'école maternelle, je prie. Prier, je lis la Bible, je prie, je confesse la parole de Dieu. Et là, on a là-haut, tu peux ranger un bâtiment, monte là-haut, et dans Sima, et dans Tipping, et dans Makatama, c'est ça, je prie. Et là, un frère commence à venir pour prier ensemble avec moi, frère Andir, il est venu, il commence à prier ensemble avec moi, on a prié le carreau quand on a prié, là, parce que des gens peuvent prier, ça ne lui fait plus beaucoup de tapas, des gens peuvent prier. Et là, loin, loin, nous prier. Frères et sœurs, priez. Priez pour vous et priez pour ça, dis-moi qui peut persécuter tout là. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. La Bible dira une grâce à Dieu pour toutes choses, en toutes circonstances. Et rappelez-vous, Paul qui termine sa chapitre là, sa lettre là, et qui va l'instruction, il peut donner. Rends grâce à Dieu. Ça n'est pas ce que vous avez fait. Pasteur, qui peut dire, quand il peut parler, quand il peut dire, bon Dieu, merci pour ce calotte là. Ah, Dieu, merci Seigneur pour ce calotte là. Une crasse flamandée. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. Flamandée, une crasse, une voltusée, n'allez. Non, ce n'est pas une cartoon. Pas pour ça que Jésus peut dire en grâce. Pas pour ça que Paul peut dire en grâce. Seigneur, merci. Je m'en ai trouvé digne pour être maltraité à cause de toi. Jamais je m'en ai maltraité à cause de mon coquin. Je m'en fais du mal du monde, Seigneur. Jamais du monde n'est infectieuse comme ça parce que je m'en joue. Mais à cause de mon cœur dans toi, et qui considère mon pétain. Et pour ça, moi, je te remercie. Tu te considères moi digne. Vous pouvez dire ça, je fais ça, mon Michel.
dans un des ban chapitres là, Paul vous dit ça. Nous être considérés dignes d'être persécutés à cause du nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, merci Jésus. Rende grâce à Dieu. Seigneur, une grâce, mon plan, je te remercie, mon encore 11 là-bas. Seigneur, il n'y a pas de moi ce projet là, je te remercie pour encore un projet qui peut venir. Seigneur, une grâce sur mon écho, je te remercie, la grâce est sur ma pied, bis devant tout le monde. Je n'ai pas péri, moi, puis bouffonne moi. Je ne vais pas la guerre, moi. Moi, je te remercie, mon écho encore là même. Tu as entendu? Rôde de bonnes affaires, rende grâce. Il tourne la main, il bat toi, et quand il boit, peut faire mal. Ah, mais si c'est ainsi, ça n'a pas fait mal. Ça n'a pas pu faire mal. Rende grâce à Dieu. Seigneur, tu peux sentir un jour. Tu te sens pharaon sur les guerres. Tu te sens des bouts de canisard sur les guerres. Tu te sens beaucoup de monde sur les guerres. Tu peux sentir un jour, Seigneur. Je vais vous demander pour écouter nous live devant lundi. Vous voyez qu'il est bien fait? De Maurice, mon plaisir. Et bien, regarde sur le tout. Les vides sur le tout de ce garage. Mes data de ce portable. On va pas écouter. Même dans l'hiver, bon mouton y aller. Nous, Mauriciens, qui conseillent la grâce de gagner par l'Église, le coup de message dans la case, nous pas fait. Du monde, Maurice, ça va être l'année 2023, mais on peut qu'au jour où. Et là, puis vous allez écouter la parole du Dieu de tout. Quand la pipe est tombée, mais aussi dans la pile pour aller. Je te soif la parole de Dieu. Il ne faut pas nous perdre dans la soif, il ne faut pas. Je sais, ça veut dire qu'il y a. Pour arriver à l'école, il y a des prostituées, des gens mauvais, ainsi de suite, qui tiennent à mauvais la vie longtemps pour dépasser un certain des gens. Il ne faut pas nous dire que les gens nous. Ou continuer à les courses, qui vont dire mettre devant vous. Persévérer. Amen. Gloire à Dieu. Alors, rendre grâce à Dieu pour toutes circonstances. Et chapitre 5, verset 19. N'a pas les effets bon Dieu teint de tous les guerres. Don't put out the Spirit's fire. Don't quench the Holy Ghost. Cet esprit est celui d'amour, contient l'amour pour ça qu'il y en a. Cet esprit de Dieu. Moi, je vais donner mon maman, mon papa. Qui quantité, mon papa, nous a discuté en nous temps, dimanche grand matin, dans le micro, nous avons passé sur la voie faux. Dimanche 3, nous rentre la case, à soir, mon papa sur la voie faux. Sans micro, sans rien. Avec number one, rum. Mais même comme il peut s'équiter, mon papa ne peut s'équiter mon maman, à soir. Donc demain, mon maman, pour lever, 3h du matin, mais 4h du matin. Pourquoi mon papa se manger pour aller travailler là pour rien? Qu'est-ce que mon maman fait? Do not quench the spirit of God. Il est facile pour dire, si vous voulez persévérer, quand ou même vous persévérez, ça y a une autre affaire. Ça. Il est bien facile de prendre le micro devant tout le monde ou dire bonnes affaires. Faites-les nous guetter. Faites-les nous guetter. Persévérez. Donnez. Pardonnez nous guetter. Venez dans Madagascar évangéliser nous guetter. Rends l'église en obédience. Persévérez en obédience. Facile de dire. Et dans la foi, persévérez, montrez, démontrez. Amen. Alors, n'a pas éteint le Saint-Esprit qui est dans toutes les guerres. Le verset 20. Chapitre 5, verset 20. Nous terminons, hein, le 3 versets, nous terminons. Chapitre 5, verset 20. N'a pas méprise de prophétie. Elle a une prophétie de toute la vie. Elle a une prophétie de toute famille. Est-ce que c'est pas une prophétie ça quand la Bible dit que toute famille pour connaître Jésus? Elle a une prophétie ça. Quand tu passes par persécution, si ceux ou celles qui passent par persécution au niveau famille, elle prophétie ça. Monsieur, rappelle une prophétie, une promesse qui bon Dieu nous dit concernant toi, même quand tu passes par persécution. Seigneur, te dis même si on passe par diffé, on ne va pas brûler. Te dis même si on passe par délo, on ne va pas submerger. Te dis toi avec moi jusqu'à la fin. Te dis toi appelle Emmanuel, Dieu est avec moi. Te dis l'amour de Dieu est renouvelé pour moi. Te dis, mon cœur fait tout pour celui qui me fortifie. Te dis toutes choses qu'on court au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça pour tout le monde me dit bien là. Dis ce que la Bible dit. Rappelle-nous une promesse que mon Dieu vient faire quand on ne passe pas par une prophétie. N'a pas rappelé ce qu'il dit, il dit sous. Rappelle-nous, c'est l'influence alcool qui nous cause. L'influence d'un esprit mauvais après qu'il ait causé. Rappelez-vous ce qui est bon de dire. Pas rappelez ce qui est dire sur l'influence mauvaise quelque chose. Amen. Verset 21. Testez tout quelque chose. Testez tout. Test all things. Keep what is good. Ok? Qui fait dire que tu es enlevé? À cause de pas l'église. Pour qu'on tient l'église. Hein? This is good. I will keep what is good. Qui fait dire que tu es enlevé? À cause de mettre volume trop fort, comme à soi, ben là, je peux dormir, mettre cantine trop fort. Ok. Je vais tester, je vais trouver un. On va vous investir à l'eau. Tu as trouvé? Quand tu testes what is good,
Et les affaires, bon, tu as bien continué à faire ça. Puis un peu qui passe qui sont venus, tu as bien continué à faire ça. Mais les autres affaires qui t'ont passé qui sont, bon, tu as bien arrêté à ça. Baisse volume, baisse la voix, baisse ton radio, baisse ton télévision à soir. Mais quand tu ne pas, parlez tout l'endroit, pas ton quantique, 5h du matin. Écoutez les histoires. Vous avez compris ce que je veux dire? Alors les affaires qui ont besoin sage. Tester, guetter, tester, éprouver, guetter. Amen. Et verset 22. Ben là, peut pas se passer qui chante, dis-moi, peut passer qui dit, mais Paul peut dire, n'a pas retourné mal pour le mal, avoid every kind of evil. Évite tout ban qui chose qui, comment dire, concerne du mal. Il fait naturellement, t'as envie de faire du mal. Évangélisation, ben là, une case, 4 bouteilles, 5 bouteilles, l'eau au ciné. Bon, pas qu'à prendre 15 bouteilles, mon case aussi, même aussi. Bon, pas qu'à retourner mal pour le mal. Alors, quand on passe pour persécution, n'a pas gardé le mal, n'a pas retourné mal pour le mal. Pardonnez, béni, n'écrapez-nous. Parce que je viens de ce moment, tu dis, grand-mère, t'es bonne. Et vous dites, grand-mère, comment vous m'en devez bonheur? Pourquoi il retire? C'est le farata. Pour mon papa, le travail. N'écrapez-le, ça, l'exemple. Bon, vous terminez une jolie phrase. Si vous ne passez pas tout ce qui m'a passé, vous vous direz, il faut vous décourager. Un jour, pasteur Benihim, tu veux passer par une persécution. Il y a un jeune pasteur. Pasteur là, cause à lui. Première affaire qui pasteur là, dit à lui, montre-moi tout la main. Montre-moi tout la main. Pasteur Benihim fait comme ça. Pasteur là, dit à lui, moi, pas plutôt aucun mot, clou le tout la main, clou le tout la main. Mais qui te peut décourager? Et allez, viens, c'est vrai, nous peut persécuter, oui. Pas encore clou de nous la main, non, comme en Jésus. Mais tu es capable de surmonter ça. Tu es capable d'overcome. Tu es capable d'overcome. L'autre coup, quand on peut persécuter, puis être persécuté, il n'y a que j'ai dans les affaires. Show me your hands. I don't see any nail print. On ne va pas trouver aucun trou de clou de toi là. Alors, ce n'est pas découragé. Pas découragé. En fait, laisse-moi dire ça aussi. À celui qui t'a préservé de toute la chute, la Bible peut dire à celui qui est persécuté une couronne qui n'est réservée. Ah, pasteur, pasteur, il y a des gens qui me persécutent, moi, je ne veux pas rien, je ne veux rien, je ne veux pas rien, je ne veux rien. La Bible dit à Dieu la vengeance. La Bible dit à Dieu la vengeance. Mais il y a aussi une place que la Bible dit à tous ceux qui me persécutent, Dieu, d'une façon vraiment qui n'est pas correcte. La Bible dit bon Dieu, pour payer. La Bible dit ça, il ne faut pas payer un verset là. Je me rappelle, je me trouve lui. Il y a un compte qui va en observer. Voilà le mot exact. En plus, je dis façon. Il y a un compte qui va en observer. Ah, voilà, voilà, voilà. 2 Thessaloniciens N. 2 Thessaloniciens N et le verset 5. Il y a une épreuve du juste jugement de Dieu afin que vous soyez rendus dignes du royaume de Dieu pour laquelle vous souffrez. Si tu peux souffrir à cause du royaume de Dieu, le verset 6. Car il est juste, selon Dieu, de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Dieu est juste. Oui, vous priez pour mon Dieu, pas de Dieu, de quoi Dieu. Mais bon Dieu, aussi dit à nous ça. Alors ça, on n'a pas retourné mal pour le mal. On n'a pas retourné mal pour le mal. Dieu est juste, la Bible dit là, Dieu pour rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Amen. Bon, je crois qu'il y a la case en cours. Après, vous comptez aussi le verset, chapitre 3, le verset 3. 2 Thessaloniciens 3, le verset 3. Mais le Seigneur est fidèle, il vous affirmera, il vous gardera du malin. Frères et sœurs, si vous ne passez pas persécution, on est grappé, bon Dieu est fidèle. Et vous comptez aussi dans le verset de Corinthiens, on oublie que ça, 1 Corinthiens 10, verset 13. Parce que chaque article, ça pour moi, 1 Corinthiens 10, verset 13, ou bien 2 Corinthiens 10, verset 13. La Bible dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été sur humain. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tenté au-delà de votre force. Avec la tentation, Dieu va aussi pouvoir un moyen d'en sortir. » La Bible dit aux Corinthiens « Peine aucune persécution. » 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, verset... Voilà. Parce que je vais me confirmer. 1 Corinthiens 10 et le verset 13. Nous l'avons dit. Nous l'avons dit. 1 Corinthiens 10, verset 13.
Alors, c'est pas aucun problème, pas aucun challenge, pas aucun moment difficile, pas aucun. Nous venons de Madagascar ici. Bon, Dieu, pas peut faire nous boire à travers une pouille plus gros qu'il nous capable de boire. Encore, c'est 10 verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été surhumaine. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tenté au-delà de votre force. Bon Dieu, tu connais moi la force, même quand tu es dans 6e, comme mon papa Tissou. Bon Dieu, tu connais moi la force, même quand tu es dans 22 ans, nous t'avons fait l'évangélisation dans la timidité. Bon Dieu, tu connais moi la force. Amen. Regarde là. Dieu qui est fidèle, il connaît la force. Il va pour permettre une tentation de venir plus fort que toi. Et il donne toi aussi un moyen de sortir. Bon Dieu, vous donnez une façon, prenez si mes sorties. Je veux tout dire, prenez si mes sorties. Prends patience, frères et sœurs, si vous ne pouvez pas faire persécution, moquerie, bouffonnerie, à cause du nom de Jésus. Papa, dans le nom de Jésus, me rends-toi grâce pour ta parole. Me place devant toi, Seigneur, tous ceux aussi qui n'écoutent nous ce soir. Moi, pas qu'on est qui va en persécution, je peux faire face. Peut-être que mes enfants, qu'ils amènent, ils sont capables de dire, maman, je papa, va en persécution, je peux faire face, même si je suis chrétien. Moi, j'ai prié pour eux dans notre collège, dans notre école, dans notre université, dans notre travail. Dans notre la grâce, la joie, la paix, esprit de prière. Je vous cache un monde, ça va une tentation, ça va une épreuve, ça va une persécution, là, Seigneur. D'ailleurs, tu finis dans Apocalypse 2, verset 10, à celui qui peut surmonter, pour capable de tenir ferme à la persécution, de nous réserver une couronne de vie. Merci pour cette couronne de vie, là, Seigneur. Merci de nous récompenser, mine de toi. Merci, tout fidèle, de ne pas permettre de nous tenter au-delà de nous la force. Merci, Seigneur Jésus, nous pour vivre comme Jésus nous dit, nous pour bénir ceux qui persécutent nous. Ah oui, nous bénis, nous bénis, nous bénis, nous bénis tous ceux qui persécutent nous dans le nom de Jésus. Ceux qui dans l'église qui persécutent nous, nous bénissons. Ceux qui en dehors de l'église qui persécutent nous, nous bénissons dans le nom de Jésus. Merci pour ta parole, Seigneur. Tu as fini de montrer nous qui est ta parole. Bénis, bénédiction, la paix, prospérité, mon argent retourne dans vos poses, longue la vie. Pas c'est ça qui t'en écrit là-dedans. De n'avertir nous, de montrer nous, oui, prenez un moment pour te persécution, c'est pour venir. Et nous tenir ferme, Seigneur. Nous tenir ferme jusqu'au bout. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, Église. Voilà, nous réunions petit à sa fin. Merci de tout qui nous tournent, depuis d'aller là jusqu'à Stella. Le Seigneur bénisse. Nous pouvons continuer à faire l'étude dans le livre de Thessaloniciens les lundis. Vous êtes capables de lire les autres, même les trois versions, souligner, highlight. Bon, j'ai beaucoup de choses avec eux. Demain, nous prenons Pasteur Vachard avec nous. Pasteur Vachard va prendre un joli message demain. De qui vous prêchez demain, Pasteur Vachard, ou topic pour demain? Pardon? A soft answer. A soft answer. Parce que déjà, vous pouvez trouver une soft answer demain, vous pouvez me poster bientôt. Je suis capable de tourner même les 8h. Jeudi, nous pouvons aller nous Zoom, nous culte par Zoom. Après, vendredi, nous pouvons aller en prière. Nous avons beaucoup de témoignages, celles qui peuvent prier ensemble nous le vendredi. Je suis libre pour joindre nous le vendredi, 8h soir, nous prions jusqu'à 9h30. Samedi, nous payons le ministère ici. Et bon, on dit pour faire ce qu'il besoin. Amen. Bye bye, la grâce de Dieu avec Dieu, nous bien content de Jésus-Christ, Seigneur. Bye bye, Dieu bénisse.